Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Donc on va faire ensemble, je pense, ces petites boules de déco. Elles sont assez simples à faire. Hein. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités de couleurs. Après, pour la déco, on peut faire plein de choses avec ça. Donc c'est vraiment cool. Donc, alors, je vais vous montrer de suite comment ça marche. Donc j'ai besoin de tout ça. Donc, du vernis colle. Voilà, donc, enfin, vraiment une colle liquide, de l'eau, un petit bécher, puis un petit morceau de bois, là, surtout pour touiller. N'importe quoi, ça peut être autre chose. Hein. Voilà, après, bien sûr, des ballons, des baudruches, une pelote de laine. Voilà, donc les boules. Enfin, n'hésitez pas, alors, pour la forme, pour avoir vraiment une boule, il faut vraiment les petits ballons. Là, qui se gonfle en boule. Et puis sinon, si vous voulez d'autres formes, n'hésitez pas à prendre un ballon de baudruche normal. Voilà, donc pour avec notre laine aussi. Donc voilà, on a, j'ai mis une petite protection sur la table hein, pour éviter de tout salir. Voilà. Bon, je vais mettre ma colle liquide ici. Colle liquide, vernicole, bon. Comme vous voulez. Donc on va bien remplir notre pot. N'hésitez pas à en mettre. Hein. Voilà, donc là je me suis arrêtée là. Et maintenant, je mets un peu d'eau. Voilà, donc à peu près 2/3 de colle et 1/3 1/3 d'eau. Voilà. Donc là, on remue le tout comme il faut. Voilà, il voilà, faut que ce soit assez liquide quand même, mais pas trop. Hein, donc, là, bah, j'ai gonflé un ballon. Donc, vous avez vu, ça a fait une belle boule comme ça. Voilà, donc après, vous le gonflez selon la taille que vous voulez. Hein, là, moi, je me suis arrêtée là, ça suffit. C'est assez... voilà. Vraiment avoir un bon rond. Voilà, donc il y a deux tailles différentes, vous avez vu, donc une petite, une grosse boule. Et donc du coup, on va laisser la petite de côté et on va commencer avec le grand. Donc je prends mon fil de laine. Donc du rouge pour moi là. Donc je prends un long fil, je le découpe. Voilà. Voilà, donc là, bon ben, j'ai du coup trempé mon fil de laine dans la colle et hop, je commence à entourer mon ballon comme ceci. Oups, évitez les sacs de nœuds. Voilà, donc on enroule. Ok, donc ça c'est fait. Voilà, donc bien sûr pour laisser sécher, enfin, vraiment compter plusieurs jours hein, pour que ce soit vraiment bien sec. Voilà. Donc, bon, voilà ce que ça donne. Après, bien sûr, il faut attendre, vraiment attendre le plus longtemps possible. Après, bon, on va faire pareil du coup avec le petit. Hein. Voilà.
Donc, là, je les ai laissés sécher donc toute la nuit, les deux. Bon, bah, ça a l'air d'être quand même assez sec. Et maintenant, il faut percer le ballon, en fait. Il faut y aller doucement. Oups, bah voilà. Faut y aller, faut éviter de faire ça trop violemment. Bon, comme moi, quoi. Voilà, mais voilà, on a notre première boule. Oups. Elle est pas super solide, mais après, bon, bah, on va pouvoir peut-être travailler là-dessus. Et la petite. Oh, bah voilà, ça m'a mieux. Bon, en fait, vous pouvez l'éclater. Voilà. C'est pas mal. Là, la petite est quand même plus stable, est vraiment beaucoup plus stable, hein. Elle a l'air vraiment plus solide que la grande. Mais bon, voilà la combinaison. Donc c'est vraiment un bel ensemble, hein. Voilà. Franchement, bah après, bien sûr, une tas de bah, comment ça les utiliser pour la déco, hein. Alors n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire bah, ce que vous en avez pensé. Voilà, donc est-ce que vous préférez la grande, la petite? Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à regarder nos autres vidéos. Après, si vous avez vu par exemple avec SES Creative dans la chaîne Joue avec moi, donc il y a pas mal de... Enfin, il y a déjà du coup une vidéo similaire avec... SES Creative. Voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo, allez à vous abonner à la chaîne et puis on se dit à une prochaine. Salut!